dois remercier le Seigneur. Le privilège qu'il t'accorde ce matin. Donne-lui la gloire. Donne-lui la louange. Donne-lui la gloire. C'est lui qui a dit d'être loué. La gloire lui est due. Il aime son nom. Donc, il t'a été ravi. La destinée de tes enfants qui a été ravie. Le Seigneur te retroussait de cela. Maintenant, tu vas prier. Oh Dieu, la clé de ma vie, la destinée de mes enfants qui a été prise, retourne-les-moi. Prie au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Le voleur d'hier et d'aujourd'hui de demain qui a volé qui veut encore me voler. Seigneur, retourne-moi le bien de lui. Prions au nom de Jésus. Oh,
ready to sing it in Venga. This is what they said. No chimera na ride. Oh, no chimera na ride. Oh, no chimera na ride. Riaribu. Nous prions dans le nom de Jésus. Enfant de Dieu. On a prié monsieur, il est devenu roi. Il a de l'argent énormément. Il a été intronisé roi. Ce jour, il y avait la joie dans le pays. Tout le monde chantait et dansait. Et son frère qui le suivait l'a vu et dit, grand frère, toi tu as têté d'abord avant que je ne vienne t'aider. Et moi j'ai dit que c'est en 4 jours seulement tu seras roi. Après 4 jours, le chapeau te sera levé. Et amusement, le monsieur a au moins 9 maisons. Il a différents véhicules. Tout est parti. Il a perdu tout. Il a prié ce matin. Il a dit tout ce qui a été écrit de ma vie. Et l'homme qui ça ne va jamais s'accomplir. Celui qui a refusé que pour moi ne s'accomplisse, enlève-le de la terre. Priez au nom de Jésus. Venu avec une grande destinée et qui vous a été ravi et on vous a rendu dans la bassesse avant la fin de ce mois. Vous rentrerez dans votre gloire. Je dis, vous rentrerez dans votre gloire. Tu vas dire, Seigneur, l'ennemi qui m'a barré la route pour dire je ne peux pas passer, enlève-le de ma voix. Et rends-moi maintenant grand. Prie au nom de Jésus. Yes,
Jésus signe comme un miracle. Nous prions dans le nom de Jésus. Quel est le fils? Il y a des gens présents. Tu as entendu Nawa. Avant 7 jours. Mais barré à l'écoutelé. Ceux qui ont barré, qui ont barré la voie. Et qui disent que tu n'as pas passé. Ah, en bas, il faut s'en. Va les manquer du dessus de la terre. Ce que je dis ici est confirmé au ciel. Ce que je dis, le ciel aussi dit ça. Quiconque est une barrière pour toi depuis ta famille, n'importe quel lieu, et c'est comme ça que tu vas rester, ça ne va jamais changer en toi. Aujourd'hui, en 7 jours, la terre va l'enlever du dessus elle-même. La terre va l'enlever du dessus elle-même. Aujourd'hui, à 7 jours, je parle à quelqu'un. Toute force méchante qui t'a arrêté va quitter ta voix. Toute force qui t'a rendu tel que tu es maintenant, le jour sera détruite. Et tu seras maintenant rendu libre. Dotomi. Écoute-moi très bien. Quelqu'un ici. Honde se wuzu ndi ayi diona. Mais maulo US honreni o san lo. Maulo US honreni o san lo. Maulo US honreni o san lo. Honde bu de se wuzu ndi ayi diona. De se wuzu wiyana. De se wuzu chakona. Maulo US san lo tombe le di. Maintenant au nom de Jésus. Dieu te lève comme ça. Que ça soit ici pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Say there is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. To break every chain. Pour briser les chaînes. Every chain. Pour briser les chaînes. Every chain. Pour briser toutes les chaînes. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Let's say it together. There is power. There is power. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Declare it, say, to break every chain. Break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here. Say there's an army. Jesus sing come and we won't keep silent, say there's an army. Amen. Tu vas prier. Vous, les morts de ma famille, qui refusaient que je ne puisse me suspendre sur ma vie, à partir d'aujourd'hui, soyez de la poussière que le vent va dissiper. Beaucoup sont dans cette salle-là. Leurs familles sont rendues comme ça. Les morts ont de pouvoir sur eux. Et refusent que tu ne vas pas faire le bien. Tu ne vas pas faire ce qui est extraordinaire. Tu vas ordonner à partir de ce matin, il devient de la poussière que le vent va dissiper. Prie au nom de Jésus. Break every chain. Break
voit plus. Mais vous a fait tout. Il sort la poussière. Mais vous a fait. Il sort de la poussière de la cendre. Et le vent les dissipe. Le vent les dissipe. Écoute, ça c'est un ordre. Et qui quitte la croix du calvaire. Parce que Jésus a payé ce prix à ce jour. Cet ordre-là, là, il a payé son prix déjà. Donc écoutez la voix de l'Éternel des armées. Vous sorciers, vous hommes forts, méchants, qui ont détruit la vie de ces gens et qui disent que ça ne va pas être bon pour eux à partir de ce jour. Je reçois votre force de vous. Merci, Egbe. À partir de ce matin, je vous ravis de votre force. Merci, Egbe. À partir de ce matin, je reçois votre force maintenant. Merci, Egbe. À partir de ce matin, je vous ravis de votre pouvoir. Vous sorciers méchants, vous hommes forts méchants qui refusaient que cela ne va pas avancer. Merci, Egbe. À partir de ce matin, je reçois votre force de votre main. Je vous ravis de votre pouvoir. Je vous ravis de votre force. Je vous ravis de votre puissance. Toute œuvre que vous avez reçue sur eux, je détruis ces œuvres au nom de Jésus. Vous qui dites qu'ils n'ont pas avancé, vous allez les voir aller de gloire en gloire. Si tu es là et on dit que tu n'as pas prospéré, ça c'est le prophète de l'Éternel des armées. Tu iras au lieu élevé. Nous t'assois ici pour toi au nom de Jésus. À partir de ce matin, tiens lieu de ton élévation. Ce jour, tiens lieu de ton élévation. Que le ciel attende ton amen. Que la terre attende ton amen. Que les quatre points cardinaux attendent ton amen. Que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Quiconque refuse que je n'exploite ma grandeur, comme je prends mes pieds et mes deux jambes, il soit sous la terre comme ça. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Quiconque ayant dit que je ne peux pas dépasser la limite de là où ma vie ne peut pas être grand. Tout combat qui dit je ne veux pas donc dépasser là où je suis. Oh, éternel Dieu, à partir de ce matin, enlève ce combat de ce monde. Enlève ça de ma terre.
David était roi, mais il ne peut pas donc rester au palais à cause de ce combat, à cause d'un homme fort. 15 ans. Pendant 15 ans, et c'est bien fini, il ne peut pas rentrer au palais à cause d'un homme fort. L'homme fort qui dit je ne veux pas faire le bien, je ne peux pas utiliser ma vie, je ne peux plus rien faire. Oh Dieu tout-puissant, ce matin, enlève-le de la face de la terre. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un est là en ce lieu. Et son homme fort à lui. Et c'est la nuit, lui, il utilise sa vie. C'est la nuit, il le commande. Quand tout le monde dort, lui, dans son sommeil. Il voit qu'il est en train de faire de grands œufs. Il revient. À part de ce matin, c'est un homme fort qui a le pouvoir sur toi. Je te reçois de leurs mains. Fort. Debout. Tout sorcier. Debout. Tout esprit mauvais. Qui se sont donc mis ensemble à cause de toi. Et la colère de Dieu les déchire. Quelqu'un est là? La colère de Dieu va déchiqueter, détruire tes ennemis. Va les déchirer. Leurs œuvres sont détruites de ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Dijan. Assieds-toi. Eh bien, je n'ai pas eu quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas une prédication. Je n'ai pas eu quoi. Je vais juste passer l'information. Pour quelques minutes simplement. Bon, et la commission que je vais te faire. C'est pour ta vie. Le thème c'est. Weziza nawa mo zinflu. Weziza nawa mo zinflu betueto. La lumière va luire sur les ténèbres de ta vie. Quelqu'un est ici et les ténèbres de sa vie l'ont empêché d'être ce qu'il doit être. Les ténèbres de sa vie l'ont mis dans une prison donc spirituelle. Il ne peut pas être ce qu'il doit être. Mais ce matin je viens pour t'enlever de ces ténèbres de ta vie. Écoute très bien. Celui qui veut t'enlever. Il nous content. Il est le. J'allais dire, il est l'alpha et l'oméga. Tu n'as pas encore compris, hein? Quelqu'un veut t'enlever de ton problème. Nous content. On l'appelle l'alpha. Et l'oméga. D'accord. On va utiliser le mot normal. Il est le commencement.
Commencement, d'accord, il est le premier. Oui, une dernière. Et il est le dernier. Dotomi. Écoute bien. Celui dont je te parle, qui est le premier, oui, et est le dernier, où est ton ennemi en ce moment? Position, il est en quelle position? Le premier, Gudo. C'est après premier. Bon, dernier, j'ai fini. Et le dernier est là. Où est la position de ton ennemi? Et le milieu. Et donc, il est au milieu. Le milieu. Donc ton ennemi est au milieu. Ah, ayant. Mais moi, compte. Mais dans le compte, le décompte du ciel, premier, celui qui est premier, dernier, il est encore dernier. Si il n'y a plus personne là encore. Il est le premier, le dernier. Si personne ne peut rester derrière lui. Donc si l'Éternel est le premier, il est le dernier. Il y a un problème là. Essayez nous content. Alors il n'est plus le premier. Dans le décompte du ciel, celui qui est le premier et encore le dernier, personne ne peut rester encore là. Ça voudrait dire qu'il est le premier et c'est, il est le dernier encore. Il est le premier et il est encore le dernier. Parce que personne ne peut rester là. La personne va être dernier. Je vais te montrer simplement que si tu ne sais pas ça, c'est ça, c'est que ton problème demeure. C'est ça que les esprits sont dans ta vie. C'est ça que la maladie est dans ta vie. Il y a assez de souffrance dans ta vie. Celui qui est le premier, personne ne peut rester là. Celui qui a touché ta vie, je te dis simplement ce matin, celui qui est le premier, il a pris la place de ta vie. Celui qui est le dernier, il a pris ta place dans ta vie. Et quiconque touche ta vie, les cieux sont détruits au nom de Jésus. Et celui qui est le premier, sa lumière va luire sur tes ténèbres qui sont là. N'importe où sont tes ténèbres, n'importe où sont les ténèbres de ta vie, sa lumière va rencontrer les ténèbres de ta vie. Amen. 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 Je veux juste passer l'information. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Actes chapitre 12, verset 5 ou 7. À partir du verset 5 ou verset 7, Paul a dit grande chose là. Il dit Pierre. Il était dans la prison entre deux soldats. Et il dormait. Et on l'a enchaîné. Il était dans les chaînes. Et il dormait. Et ces soldats se regardaient. Celui-là ne sait pas qu'il va mourir. Il dort comme ça. Mais ça, c'est pas le problème de Pierre. Il dormait simplement. Parce qu'il sait que quelqu'un est premier. Et il est encore le dernier. Donc, celui-là a la force. Comme il a le premier, il est encore le dernier. Il a la force. La veille de son fait qu'on va le tuer, il était dans la prison. Entre ces deux soldats, on dit soudainement, la lumière de Dieu, l'ange de l'Éternel, était rentré dans la prison. Et l'ange a lui la lumière de Dieu sur lui. Quelqu'un est là, la lumière va luire sur tes problèmes. La lumière va luire entre tes ténèbres. Et comme la lumière a lui, l'ange l'a touché. Lève-toi. Prends tes chaussures. Prends ta ceinture. Prends ton habit. Suis-moi. À partir de ce matin, toi tu es là. Et tu sais que celui qui est le premier, il est encore le dernier. Et que c'est lui qui va t'enlever tes problèmes. Il te dit ce matin, suis-moi. 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 Suis-moi.
Puedomi. Suis-moi. L'ami tu es hein? Puedomi. Suis-moi, je t'abandonne amen. Puedomi. Suis-moi. Puedomi. Suis-moi. Puedomi. Suis-moi. Puedomi. Suis-moi. Puedomi. Suis-moi simplement. La Bible dit. Et la Bible dit. Puedé. Comme il a suivi. Avant d'arriver à la grande porte. C'est qu'on ne touche à la porte. La porte s'est ouverte d'elle-même. À partir de ce matin. La prison de laquelle on t'a enfermé. C'est ouverte maintenant. La prison de laquelle on t'a enfermé. Cette prison est ouverte maintenant. Et tu sors de cette prison. 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 Dans le nom de Jésus. Et il a suivi l'ange jusqu'à sortir de cet endroit. Ce matin, tu sors de l'endroit où on t'a stagné. Tu sors du lieu où on t'a mis. Tu sors de l'endroit où on t'a mis. Toute œuvre sur toi est détruite au nom de Jésus. Elles sont détruites au nom de Jésus. Tu vas plus rester dans le même problème. Amen. Amen. Oh, je vais te passer l'information. Avant de finir, Genèse. Dans Genèse 21, au chapitre 21, versets 6 à 7. Genèse au chapitre 21, verset 6. La parole de Dieu dit : Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire. Et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Le verset 7, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Abraham do asitue nana non vie mewesi doni do sara nana non vie. Ça dépasse son entendement. Et personne ne s'imaginait que Sarah puisse donc dire à Abraham, j'allaiterai aussi des enfants. Verset 7. Verset 7, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Mais où est-ce donc? Mais mon coton de haine. On a si de Sarah et nana non vie. Et de haine. Le dessous-point tabaton. Et qu'on y nomme un temps. Bissé, c'est donc. Au monde est si imbibloire. Mende Kassidia. Moi, le moins de mende est dans un. Je passe donc cette information à quelqu'un ce matin. Oui, mende mandi bédé de Enandionoué. Toi donc, qu'on n'a jamais pensé, on n'aurait jamais pensé que ça changerait. Dieu change ta vie ce matin. Je dis, Dieu change ta vie ce matin. Il y a beaucoup dans cette salle. Un véhicule dort, je vais dire, quelque part dans les mondes ténébreux. Leur maison sont en train de dormir dans les lieux ténébreux. Leur bien dort quelque part dans les lieux ténébreux. Au travers donc les hôtels maléfiques. Et à partir de ce matin, je viens ordonner. Reçois tes biens en retour. Que le Seigneur te surprenne. Oh, moi, le moins de mes lieux.
pas cette information de l'Éternel. Si tu es là, quelque chose se passe d'extraordinaire. Quelque chose se passe spontanément. Je vais t'expliquer ça. Pourquoi ça doit changer? C'est nécessaire et c'est fondamental que ça change. Spécialement pour ceux qui viennent au programme de l'intersemaine. Au travers des enseignements qui passent. C'est nécessaire que ça change pour eux. Romains 8. La parole de Dieu dit, nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur, en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Le chichemi odo epo. Et que tu me le big bon mele de sur le chichemi. Au cambio. Pourquoi donc ceux qui sont encore en esprit sont en train de gémir? Mais des vies ma autant là. Ceux qui sont les enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus, mais nous les ils sont sanctifiés. De sur le chichemi. Ils gémissent également. Avec les païens. Ils attendent aussi la gloire. Ils attendent leur délivrance. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, la lumière de Dieu va rencontrer les ténèbres là où tu es. Et vont enlever ton problème. Les enfants de Dieu également sont en train de gémir. Ce n'est plus les païens seuls. Mais les enfants de Dieu. Une autre version. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Si Dieu ne te révèle pas les choses cachées qui vont t'enlever ton problème, ça sera difficile que ça change. À moins que Dieu te révèle ça qui vont t'enlever donc de ton problème. Bien ça, Sarah aussi parlait ainsi. Et on lui a fait une promesse. 20 ans passés. 21 ans passés. 22 passés. Depuis qu'Abraham avait 75 ans, Dieu lui dit, je te ferai devenir grand. Je te donnerai une postérité. Et tu seras le père d'une multitude de nations. Mais 20 ans passés, 22 ans passés, 23 ans sont passés, et en sont
En sa 24e année, il a reçu une vision, une révélation. Abraham a connu une révélation. C'est quoi? C'est trois anges. Ils voyaient qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ceux-là, là, certainement, sont des anges. Et il les a donc hébergés chez lui. Il dit maintenant, faites-leur de la nourriture. On leur a donné de l'eau pour qu'ils lavent les pieds. Il leur a donné de la crème à boire. Et il préparait rapidement vraiment cet animal-là pour qu'ils puissent manger. Et ils ont fait cuire la viande. Ils ont fait la nourriture dessus. Et ces anges, on l'a déposé devant eux. Et ils ont mangé. Et pendant qu'ils ont fini de manger, quelqu'un prit la parole parmi les trois. Et ma Bible me dit, c'est l'Éternel. Amen. Beaucoup disent les anges, mais ma Bible me dit que c'est l'Éternel. Mais nous prenons Genèse 18. Genèse au chapitre 18. Verset 1er. Le verset 1er. Genèse au chapitre 18. Mais l'Éternel lui apparut parmi L'Éternel lui apparut. Et donc, m'envoie. Beaucoup disent que c'est les anges. Bible dit l'Éternel. Lui. Apparu. Amen. Amen. C'est ce que je veux te montrer simplement. Et comme il est vit, il dit, ah, ça, ce ne sont pas les hommes ordinaires. Ça, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité est en mouvement sur la terre des vivants. Donc, le ciel est descendu sur la terre. Et Abraham a vu ça de loin. Et au travers la vision qui lui est apparue, il a couru pour les rencontrer. Il a rencontré le ciel. Il a rencontré Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il les a hébergés chez lui dans la maison. Il les a fait asseoir. Il dit, restez ici. Et Dieu le Père s'est attendu là. Dieu le Fils aussi a attendu. Dieu le Saint-Esprit s'est attendu. Il allait prendre de l'eau. Il allait prendre de l'eau. Il lavait les pieds. Il lavait les pieds dans sa maison. Il a lavé les pieds de Dieu le Père dans sa maison. Il dit, attendez, il allait chercher la crème. Il prenait, buvait ceci. Et ils ont bu ça. Il dit, attendez, c'est pas fini. La nourriture sera prête tout à l'heure. Il est allé, il revenait. Et ces trois-là, il les a fait attendre là, dans sa maison. Il allait, il venait. La nourriture était prête. Non? Faites ceci. Et tout a été préparé. Et on lui a amené en avant. Devant Dieu le Père, Dieu le Père, il a mangé sa nourriture. Dieu Fils a mangé sa nourriture. Dieu l'Esprit a mangé la nourriture. Et quelqu'un prit la parole. Je ne sais pas si c'est Dieu le Fils qui a pris la parole. Mais si c'est Dieu le Père qui a pris la parole. Dit, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah là, aura un enfant. Et on l'appellera Isaac. On donne le nom de l'enfant. Quand Sarah a entendu ça, elle a ricané. Elle dit, comment cela peut se faire? Et le second a pris la parole et dit, pourquoi Sarah est en train de rire là-bas? L'autre est derrière la chambre là-bas. Et on l'a vu de loin. Et ils ont pris peur. Je vous avais dit la chambre épeurée. Ils disent, l'année prochaine, nous allons revenir encore pour faire sortir l'enfant. Amen. Amen. Et ce qu'on a lu tout à l'heure, la Bible nous dit, Sarah dit, qui aurait donc cru ou qui aurait donc dit à Abraham que Sarah, ta femme, enfanterait ou allaiterait un enfant? Ça ne peut pas se passer. Écoute très bien, je parle à quelqu'un. Je ne donne pas un serment, mais je passe l'information. Ce qui peut ne pas se passer dans ta vie, et tout le monde a vu que c'est impossible, oh, Dieu amènera ça à l'accomplissement. Amen.
personne met le feu. Je ne sais pas si la personne est là ce matin. La gloire. Ton élévation, la grandeur de Dieu, la destinée de ta vie, que quelqu'un donc a pris de ta main. Et toi, tu as vu, bon, c'est fini pour moi. Ce matin, ça sera fait pour toi dans ta vie. Je dis, ça sera fait dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait plusieurs choses que tu as dit. Ça, c'est le premier. Je t'ai montré le deuxième. Celui qui a eu le premier et qui est le dernier. S'il est en toi, s'il a reçu mission dans ta vie, personne donc ne peut plus gâter quelque chose. C'est pour ça qu'il est le premier. Il est encore le dernier. Après lui, il n'y a plus personne. Avant qu'il n'arrive, il n'y a personne. Avant que cela n'arrive, il n'y avait personne déjà là. Après lui encore, il n'y a plus personne encore. Donc, Satan n'est plus à toi. Les esprits ne sont plus à toi. Les sorciers ne sont plus là pour toi. Le Dieu n'aura plus de force sur toi. Si tu as la foi en ça, automatiquement, le ciel est en train de changer ta vie automatiquement. Heblo Wene. Il y a deux. Atongo. Troisième. Wiziza Maoton. La lumière céleste. Nawa Tado Zinflu Betu et ton lèvre. Va jaillir sur les ténèbres de ta vie. Si la lumière de Dieu jaillit sur les ténèbres de ta vie, la joie sera pour toi. Tu n'auras plus le même problème. Tu n'auras plus dans les pleurs. Et j'ai donné l'exemple de Pierre. Il dormait paisiblement. Et l'ange était rentré dans la prison et a touché Pierre. Et ma version dit que la lumière a inondé, a jailli dans l'endroit où il se trouvait comme de l'eau. On dit la lumière a inondé toute la salle, toute la prison. Et Pierre croyait qu'il était en extase, mais qu'il rêvait. Et tu prends ta chaussure. Pendant qu'il parlait comme ça, pendant que je parle déjà ce matin, quelqu'un reçoit déjà ses biens déjà. Prends ta ceinture. Prends ton manteau. Et suis-moi. Et comme je parle comme ça, quiconque t'a enfreint déjà, ce lieu ne peut plus te contenir. Tu vas quitter cet endroit-là. Tu vas quitter ce lieu. Donc c'est une révélation que tu montres comme ça. Trois choses révélées que je te donne ce matin. Ces trois choses nécessairement, ça va changer ta vie. Que ça soit ici pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas comprendre cette révélation. Si ce que nous suivons comme enseignement, tu n'es pas parlé, tu n'auras pas vraiment à comprendre ça facilement. Ça, c'est une grâce qu'on t'a donnée. Trois révélations ce matin qui t'a été donnée. Étends ta main. Saint-Esprit. Je passe l'information. Accomplis ça maintenant. Dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Let your power flow in this place. Let your healing come.